Ils sont en train de toucher nos derches, j'en suis sûr. Reste pendant qu'on est inconscient. Non, viens, reste, reviens. Tu vas s'ils ont tué. Je te jure, viens, tu vas, fais-moi confiance. Allons buter ces connards d'objets. Ah putain, merde. Ah. Non, merde, c'était pas safe du tout, putain. Qu'est-ce que je te disais. Porto, il me connaît trop, Porto. Ah oui. En tout cas, Bibouche, il est bien caché. Hein. Il a eu le temps de refermer la porte derrière lui, en plus. Mais dis pas. Ouais, c'était un gros fake. Ouais, mais à un moment donné, il faut quand même donner des indices, regarde. Ok, je vous donne un indice. Avec moi, vous avez 6 pieds. Hey, bien joué, bien c'est joué. C'est pas mal, non? C'est relativement subtil. Ouais. Hein? Ouais. Ah, tes souhaits, hein. C'est trop subtil pour nos conneries. Je peux en donner un autre? Je sens que tu vas dire ce que c'est comme un connard. Non, je te jure que non. Ok, vas-y. Quand vous connaîtrez sa position, vous serez sur le cul. Ok. Il a changé. Oh, Bibouche. Oh, putain, Bibouche. Bibouche. Regarde, à la porte. Il vient de... Mais t'es con. Pourquoi t'as fait ça? Il était quoi? Ah ah. C'était... Un allez, bébé. Mais attends, c'est quoi vos indices d'avant alors? C'est n'importe quoi. Il a changé. Moi, à la base, c'était une chaise. Et du coup, je vous enterrais au père. La chaise. Putain, je peux plus bouger. Il est coincé. Cherche quelque chose de coincé. Non. Mais non, c'est dégueulasse. Attends, vous m'avez pas vu là? Oh, c'est lui. Regarde. Attendez, mais vous me voyez pas? Oh. T'es mort. Regarde derrière toi. Regarde le truc qui bouge. La table. La table. Mais laquelle des tables? Vous me voyez pas? Mais... Ah putain, c'est là-bas. Laisse-moi la vie sauve, je t'en prie. Mais crève, non. Tu es... Ah oh. N'importe quoi. On donne un indice. Mais malgré mon aide, l'aveugle ne voit pas. Ah. Ouais, bon, il faut arrêter. Il faut arrêter les bouquins, les mecs. Il faut que je donne un indice sur moi. Ouais, vas-y. Grâce à moi, les hommes avancent. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, hein. Il faut chercher, c'est subtil. Ouais. Et mon point dans la gueule, ceci, ça va être subtil. Je vais vous donner un indice. Je suis devant. Oh vous. Putain. Putain, du coup. Ouais, c'est vraiment pourri, hein, tes indices. Bon, moi je vais vous donner un indice, d'accord? Vas-y, dis vite. Là, il est en train de sauter, genre il y a 3 secondes. Ouais, mais il est pas là aussi. Son nom peut être porté par les personnes qui font les vigiles dans les boîtes de nuit. Ce sont des grosses. Ventouses. J'ai gagné. Quoi? Une grosse bibliothèque. Non, ça marche pas. Une armoire. Voilà. Nom de Dieu, je peux plus changer. Ah, c'est ouvert ici. Non, mais attends, je peux plus changer. Ok, c'est ok, je te laisse. Non, laisse-le. Mais laisse-le. Mais espèce de bâtard. Laisse-le, j'ai pitié pour lui. Alors, attends. Mais non. Et lui, il a pas de pitié, quoi. Oh. Jacobin, tu m'aimes? Oh oui, je t'aime, surtout quand tu as cette forme. Ta gueule. Donc c'est-à-dire qu'il est en forme de bébé. Oh, Bibouche, tu me connais par cœur, tu connais mes coups. Eh, faut dire un indice. Oh, Je suis mort comment? Par suicide. Ah putain, mais c'était une étagère qui était trop mal placée en plus. Bon bah là... Ouais, là, ici, là, je suis bien caché. Là. Ouais, putain... C'est génial. Bande de gros tontous qui vous cachez là. Non, on n'est pas cachés en plus. Alors là, bah là tu vois, vous venez de rentrer à peu près dans la même pièce, il y en a un qui s'avance vers un canapé, qui fait demi-tour, on a un vrai visu sur vous quoi. Là il vient d'ouvrir une porte, ensuite il revient vers... Ah non, il avance vers la machine à soda. Voilà, machine à soda là. Une petite soif peut-être. C'est la vérité là, Jacobin, t'es à côté En plus c'est des gros bâtards, ils disent la vérité. Okay. Alors ça va les gars? On n'a pas besoin de ça pour vous trouver, bande de connards. Toujours obligé d'être vulgaire, hein, celui-là. Ouais, parce qu'on en a marre de vos gueules. Allez, c'est reparti pour la vulgarité. Ah bah bravo. Ouais, bah te faire enculer. Alors nous, on est là. Qu'est-ce que dirait ta mère, hein? Ouais. Attends, merde. Je la dirais, ta mère. Oh, ta mère, elle dit rien, elle a la bouche pleine. Ouais. Oui, ouais, c'est bon. J'en étais sûr. L'autre, il doit être sur le chemin, là. C'est bon, j'en ai... Mais vous m'avez tué. Il est là. Ah, putain de merde.
putain, putain, voilà. Merde. Alors, salut Jacobin. Bah oui. Oh putain. Là, la pièce là, ouais. D'accord. J'ai jeté une grenade, ça a pas marché donc. Ah, salut. Ah, il est là. Regarde-le. Mais oui, mais Non, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est l'autre. Ça là. Non, l'autre encore. Lui là, voilà. C'est non, lui. Non, encore l'autre. Ah. Oh, mais il rame, il en profite de son rame. Oh. Mais c'est incroyable. Hey, t'as vu ça un petit peu? Allez viens, moi j'ai une putain d'idée. Après, est-ce que t'es prêt à l'accepter ou pas? Ah mais je suis prêt à tout. Ok. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. T'es coincé là. Là, je suis complètement coincé. Donc je ne vais pas te suivre. Non. Concrètement, je ne vais pas te suivre. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit pas mal, oui. C'est vrai? Oui, c'est plutôt du type voyant, oui. J'ai le temps d'écrire un petit texto pendant que vous faites vos trucs, vu que je suis bien planqué. Non, je crois pas. Mais merde. Bon, Porto, t'es où? Ouah, c'est quoi cette map à la con? T'es où, Porto? Je t'emmerde. Bon, on est ensemble, abruti. Rien à foutre. Putain, je sens que je vais m'éclater avec un connard pareil. Allez, Jacobin. Ouais, on va les maraver à coups de pied de biche. Oh merde, oh, putain. Attention. Attention quand même. J'ai pas voulu. Je suis dans un endroit blablabla aussi gros que le cul de Porto. Ah bah alors ça... Ça doit être très étroit. Ça doit être un atrium. Ah non, c'est vrai. Oh. Tellement de possibilités. La réaction... Tous ces bidons. Bon, c'est pas eux, on se casse. Il y a un lampadaire bizarre, là. Je suis mort. C'est un lampadaire qui t'a tué. Donne un indice. Ok, vous m'avez poussé. Putain, c'est un bidon. Un indice. Il est aussi bleu que les schtroumpfs. Putain, il est là. Non, c'est bidon. C'est bidon. Oh. Putain. Mais ouais, je suis sûr que c'était pas du tout un bidon. Oh putain, il est là. C'était un bidon. Putain, non, putain. C'est un bidon. Faut pas être tous les deux, mais on peut pas peut-être. Il faut... Un indice. Ah, ça reste, enculé. Enculé. Non. Non. Bon, le deuxième est à côté, je le sens. Ah, je suis sûr. Cours dans ta vie. Bon, je donne un indice. Je suis un peu le deuxième nom qu'on donne aux femmes aux cheveux blonds vénitiens. Les femmes fontaines. Une... Alors on cherche une fontaine. Un vrai indice, j'ai un peu la forme de la mer à Porto. D'accord, ok. Hop, oh, putain, pourquoi t'as bougé? Pourquoi t'as bougé? Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, mais... Arrête! Facilité, bibouche! Bah quoi? Ah non. Voilà, au revoir, bibouche. Merde. C'est modé des bidons bleus. Je me fais chier à les pousser comme un connard. Les gros mots, alors là, je commence à en avoir marre. Vous allez me recopier 30 fois, je n'utiliserai connard que dans certaines conditions. Que pour parler de Porto. Bon, ils sont où ces connards, là? Je les emmerde, moi, ces connards. Moi, je les aime pas trop pour de vrai, en fait. Continue à te cacher ici, d'accord? Attends, c'était qui? Ok, Jacobin, tu restes ici. Le mec qui a rien compris au jeu. J'ai trouvé Jacobin, mais je te dirai pas où il est. C'est vrai? C'est pas Jacobin. Mais si, mais je suis complètement bloqué, en fait. C'est toi? C'est vraiment toi? Regarde, je te donne un analyse, Bibouche. Il est ici, mais il est quelque part dans un de ses murs. D'accord. Je te laisse avec ça, je cherche Guz. Ok, Bibouche, t'es vraiment très con. Guz, il va falloir faire preuve de stratégie. J'en ai déjà entendu parler, j'aimerais bien tester une fois. Ouais, tu peux le télécharger sur internet. Regarde. Attends, je te vois pas. T'es où? Je suis là, juste à cette... très loin. C'est tout à fait crédible, je pense. Merde. Putain. C'était deux connasses de tasse empilées les unes sur les autres.